Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel! Class is paying 101. Your instructor is Casey Jones. Hey! Salut la gang et bienvenue à un autre review de ma chat, Casey Jones! Aujourd'hui, je retourne encore une fois dans l'univers du Last Ronin, et cette fois, je vous veux la review du leader des Ninja Turtles! Et je parle de qui? Ben oui, non, Casey, c'est évident de qui tu parles. Ben oui, je parle de Leonardo. Pis ça s'est fait par nos boys de Schwenecker. C'est parti! Ninja Turtle, le Leonardo du Last Ronin. Yeah! Enfin, un autre figurine autre que Michelangelo pis Raphaël. Pas que ça me dérange, mais enfin, un nouveau personnage de Turtle pour Last Ronin. Et je parle du leader lui-même, Leonardo! Et, wow, je suis un peu déçu. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que, ok, je m'attendais pas à ben plus d'accessoires pour ce Leonardo-là. Mais, c'est tout ce que vous voyez là. Ben, c'est tout ce qu'il y a. Une tête, des mains, ces deux épées. OK, si on calcule les petites lames qui s'enlèvent ici, que je vais l'enlever, qu'il faut mettre une par une dans sa ceinture, comme ça ici. Donc, c'est une petite lame, là. Comme ça. Une petite lame avec un petit trou et une lame, là. Ben, si vous avez des petits couteaux qui lancent, là, on peut juste la rentrer comme ça dans la ceinture. Vous l'avez vu? Donc, il y en a un, deux, trois. 4, 5 qu'il faut mettre après sa ceinture, plus ses deux épées. Bon, j'ai l'air sarcastique depuis le début, là, mais non, il est vraiment beau. Je peux pas dire que son look est vraiment, est pas hot, son look est vraiment hot. C'est le Leonardo du Last Ronin qu'on voit dans le comic book. Et ben, yay, je suis content de l'avoir dans ma collection. Mais comme je vous dis, il y a comme pas grand-chose. Ben bon, on va arrêter de chialer. Je vais quand même vous le montrer. Donc, je vais commencer par les mains. Donc, il y a quand même beaucoup de mains. Donc, dans la boîte, comme d'habitude, moi, je les change tout le temps quand je le reçois. Il vient avec deux points. Donc, c'est ces mains qui sont bandelées avec ça ici. J'imagine que c'est comme des knuckles, là, je sais pas trop. Donc, ben, ça, c'est ses poings fermés. Il y a les mains chop-chop. Et il y a les mains entrouvertes. Assez entrouvertes, je dirais. Donc, je ne sais pas si on peut mettre un accessoire là-dedans, pour vrai. Mais ils sont comme très, très, très ouvertes. Et il vient avec, ben, naturellement, les mains entrouvertes pour mettre ses quatre naines. Montrer les kittens. Donc, on va reculer ici le Léo. Donc, ils sont très, très beaux, ces katanas. Donc, un peu la réplique de ceux que le Last Ronin se sert, mais parce que c'est supposé être l'épaule de Leonardo, mais vraiment peinturé comic book. Jaune pour
faire du or. La lame, au lieu d'être argent, est grise. Et ici, le manche est brun avec des lignes noires pour faire comme un effet comic book. Donc, on a juste à la mettre dans sa main. Comme ça ici. Et voilà. Et ça, c'est le genre de typique de main que j'aime pas. Où est-ce que on est obligé de comme le rentrer comme il faut. Et il y a toujours une espèce de gap que j'aime pas ici. Ça, c'est moi. Quand il tient son épée. Donc, je veux dire, moi, je le tiendrais comme ça. Mais là, lui, à cause de sa main, comment elle est faite, quand on met l'arme, il y a un gap. Mais bon. Donc, pour ce qui est du look, ben, il y a ses bandages après les jambes, il y a des pantalons. Ici, il y a un morceau, c'est comme son foulard. Lui, il est collé en avant, mais il est lousse en arrière. Et, ils ont moulé une carapace, mais on la voit pas. Il est en dessous de cette espèce de morceau-là. Et, ben, le devant du chest, ben, c'est encore une armure. Ici, avec un épaulette. Comme ça ici. Et pour ce qui est de ses katanas, ben oui, on peut les mettre dans le dos. Il y a des trous ici dans son espèce de chandail et en dessous, il y a des, on va dire, des fourreaux. Donc, il faut juste comme l'aligner droite et comme ça que ça va dans son dos. Par contre, je vous dirais de faire hyper attention parce que la lame de ça est tellement mince, je vous le dis. Faites attention, je suis pas mal sûr qu'elle est fragile et peut facilement casser. Même que si votre figurine tombe en pleine face, je suis pas mal sûr que c'est Terminatos. Donc, il vient aussi avec deux têtes alternatives. Les têtes alternatives, ben ça c'est la tête qui venait avec dans la boîte. Je ne sais pas trop... Es-tu fâché? Es-tu gêné? Es-tu... Je sais pas. Il est sérieux? Je sais pas. Mais, anyway. Donc, c'est ça. C'est une tête avec une petite bouche. Il a des tout petits yeux. Son bandeau, il est highlighté. Pour faire comme si c'était dans le... Comme dans le cartoon. Et son bandeau, ici, tourne. Donc, on peut le mettre comme on veut. Donc, c'est ça pour la tête alternative. Mais en fait, ça, c'est la tête qui vient avec dans la boîte. Moi, je l'ai changée. Et j'ai mis cette tête-là. Un petit peu plus d'expression, notre Leonardo. Donc, ça, c'est plus Leonardo pour moi que ça. Donc, dans mon display, il va être comme ça. Donc, il est fâché. Et celui-là, le bandeau tourne aussi. Donc, on peut le placer comme on veut, en bas, en haut, sur le côté, en train de flyer. C'est comme on veut. Donc, moi, je préfère beaucoup cette tête-là. Donc, pas mal plus Leonardo. Donc, celui-là vient directement de chez NECA. Il était en précommande sur le NECA Store et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. C'est ma charmante... conjointe qui me l'a acheté pour ma fête. Oui, encore des cadeaux pour ma fête, même si c'est passé depuis longtemps. Donc, c'est ça. Puis pour ce qui est des articulations, la tête est sur un ball joint comme d'habitude. À cause de son collet ici, c'est très, très difficile d'avoir une grip pour popper la tête. Donc, il a fallu que j'y aille vraiment... Je veux même pas le faire parce que j'ai peur de le briser, mais c'est ça. Donc, les articulations, la tête, ball joint, le bras ici, tourne comme d'habitude. Le coude est sur un double joint, naturellement, c'est un Ninja Turtle. Et les genoux, double joint aussi. Son poignet tourne naturellement. Il y a un bicep cut et un double joint au coude, je l'ai sûrement déjà dit. Et... sa cheville tourne ici comme ça au niveau du genou et il n'y a pas de bout de cut évidemment parce que c'est un bandage et son pied tourne gauche, droite et en bas comme d'habitude. La figurine est quand même assez facile à placer. Une fois qu'on a trouvé son volant, il tombe pas. Là il est à côté mais là il n'est pas à côté, il tombe pas. Bon, en tout cas, je l'ai bougé. Ah, et voilà, il tient.
Donc, c'est ça. Donc, il était en précommande et peut-être qu'il l'est encore sur le Nico Store. Sinon, il est disponible un peu partout. Moi, je l'ai vu. Ben, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu sur AliExpress. Et mon chum chez Pigrin for All va pouvoir l'avoir en précommande. Il me l'a demandé si je voulais, puis j'y ai dit que je l'avais déjà précommandé sur le Nico Store. Sorry, buddy. Anyway, donc c'est tout pour moi. Je vous ai fait la review du Leonardo de Last Ronin. Et je vous dis... On dit-tu Shawabunga?